Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Voici les savons, comment nous pouvons fabriquer les savons. Sur cette vidéo, nous allons parler des deux business rentables en Afrique. Restez branchés jusqu'à la fin pour en profiter. Voici l'usine des savons. Et ici, nous allons vous aider à obtenir cette usine et amener en Afrique et fabriquer les savons solides pour enfin revendre à la population. C'est un très, très bon business, la fabrication des savons. Voici mon numéro WhatsApp. Contactez-moi, je peux t'aider. Acheter aussi cette usine, comme cette dame qui vient d'acheter cette usine, elle est en train de tester. Elle fabrique les savons et elle vend les savons et elle s'est fait beaucoup de profits. Alors, avec cette usine, comment elle fonctionne? On va te donner une partie pour le mixage avant de passer au produit fini. Alors, ici, sur cette vidéo, nous avons décidé de vous montrer le produit fini qui est les savons solides avec logo qui est déjà très bien classé. La machine que tu es en train de voir, c'est la machine qui découpe les savons sous forme de rectangle ou bien encore carré. Ça dépendra de ce que vous allez choisir parce que cette machine elle peut couper sous forme de rectangle et carré. Ça dépend de la dimension que vous allez régler avec la machine. Alors voici les savons, un très bon résultat, un très bon savon. En Afrique, le business des savons est un très bon business parce que les gens utilisent les savons pour la vaisselle, la lessive et encore aussi pour d'autres tâches. Alors voici comment nous pouvons lancer cette usine vraiment rentable en Afrique qui peuvent nous aider à lancer à créer des emplois parce qu'avec cette usine tu as besoin d'environ de 4 personnes techniciens et par exemple si tu as des chauffeurs pour livrer tu as aussi des porteurs donc tu peux avoir aux environ 15 à 12 employés. Alors vraiment c'est un très bon business semi-industriel à lancer en Afrique, c'est vraiment très rentable. Contactez-moi sur WhatsApp, nous pouvons t'orienter comment et où acheter une usine de fabrication de savon solide que vous êtes en train de voir sur cette vidéo. Alors, notre deuxième business ici, nous avons qu'en Afrique, il y a plusieurs poissons. Il y a beaucoup de poissons et dans nos rivières surtout. Et aussi, nous voyons qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui vont exporter les thomson, par exemple, les poissons frais pour les amener en Afrique. Et pourtant, que nous avons des poissons que nous pouvons déjà aller pêcher chez nous. Le problème, c'est quoi? C'est que comment les garder dans les frais? Voici la solution, c'est une chambre froide solaire. Donc, cette chambre froide solaire, elle est portable. Elle peut vous aider à conserver vos produits. Ici, comme j'ai dit, les poissons, ce sont des produits que nous pouvons très bien conserver. Nous voyons des gens qui sont en train de vendre des produits au marché et des produits comme les vivres frais, ça doit être gardé dans les frais. Comme le nom le dit. Alors, il y a des problèmes qui se passent sur comment nous pouvons garder ces produits-là. Alors, nous devons garder ces produits dans les frais. Alors, beaucoup de gens achètent des glaçons qui finissent par se dissoudre rapidement avec la chaleur qu'il y a en Afrique. Mais pourtant, quand tu as une chambre froide, tu peux vraiment directement conserver tes poissons, tes vivres frais. Maintenant, le problème qui est là, les chambres froides traditionnelles que nous voyons chez nous en Afrique, ça coûte trop. Donc, vous devez avoir, par exemple, la viande, les poissons qui est gardé dans cette chambre froide-là et ça va beaucoup coûter. Alors, la solution est d'avoir une chambre froide mobile et qui fonctionne avec les panneaux solaires. Ces chambres froides ici mobiles qui fonctionnent avec les panneaux solaires coûtent 6 800 $. Donc ça, c'est pour 20 pieds. Nous avons des chambres froides de 40 pieds et nous avons des chambres froides de moins de 40 pieds. Celle-ci que vous êtes en train de voir, elle coûte 3 000 $. Donc, comme j'étais en train de dire, cette chambre froide de 40 pieds, elle coûte 6 800 $. Toutes les chambres froides que vous êtes en train de voir viendront avec les panneaux solaires déjà connectés. Alors, comment acheter ces chambres froides-là? Mon numéro était sur le début de cette vidéo. Vous pouvez me contacter directement. Je vais vous orienter comment acheter cette chambre froide. Comme j'ai dit, la chambre froide coûte aux environs 6 800 $ pour les 40 pieds et 4 800 $ pour les 20 pieds. Alors, vous allez acheter cette chambre froide. Vous allez mettre sur les bateaux pour la destination à l'Afrique. Et c'est comment? C'est une chambre froide préfabriquée. Comme vous êtes en train de voir, elle peut se plier dès que ça arrive en Afrique. Vous allez juste les monter. Pour monter cette chambre froide, elle est vraiment facile à faire. Donc, il y a un catalogue qui viendra avec la chambre froide qui vous orientera comment faire les montages. Donc, vous avez juste besoin de techniciens, deux, trois techniciens et des gens qui vont commencer à aider pour faire monter cette chambre froide. Alors, avec la chambre froide, il y a plusieurs techniques dont vous pouvez faire beaucoup d'argent. Première technique, vous pouvez acheter les chambres froides
plusieurs chambres froides et les revendre auprès des gens en Afrique. Ça, c'est la première stratégie. Vous pouvez faire ça. Deuxième stratégie, c'est acheter la chambre froide. Trouver un endroit stratégique, par exemple dans un marché où il y a beaucoup de gens, des mamans qui vendent des vivres frais. Alors, vous allez prendre cette chambre froide-là, vous les mettez à un endroit stratégique où tu auras des clients qui vont commencer à louer les espaces. Par exemple, par espace, par nuit, c'est 10 dollars. Si tu avais un client, tu t'es fait 200 dollars par nuit. Et c'est comme ça que tu vas commencer à se faire beaucoup d'argent. Alors, et puis la troisième stratégie, c'est de prendre cette chambre froide toi-même. Là où les gens font la pêche, tu vas avec ces chambres froides, comme elle est mobile, elle est montable, elle est préfabriquée, vous pouvez la déplacer facilement. Vous allez-y les monter partout là où il y a des gens qui font la pêche pour les faire louer et faire conserver leurs produits, leurs vivres frais à l'intérieur. Donc, cette chambre froide aussi, elle peut être aussi installée si vous avez par exemple un restaurant et vous avez un très grand restaurant qui a besoin de la population pour enfin des clients pour enfin conserver les produits. Alors voici les deux business que nous avons préparés pour vous aujourd'hui. Et comme j'étais en train de dire pour les panneaux solaires, voici comment ils se présentent à l'intérieur. Il y a comment comment on appelle ça, climatiseur qui est à l'intérieur aussi pour régler la température. Alors avec cette chambre froide, vous pouvez mettre aussi les légumes. Hein, vous pouvez mettre des légumes, tout ce qui a besoin d'être frais, vous pouvez les mettre à l'intérieur et conserver ces produits, de l'eau et tout ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez aussi créer comme quatrième business, acheter cette chambre froide et commencer à vendre les vivres frais directement à partir de la chambre froide. Trouver un endroit stratégique, poser cette chambre froide et commencer à vendre les vivres frais directement à partir de la chambre froide. C'est vraiment un très bon business à lancer en Afrique car nous avons vraiment un grand problème d'électricité en Afrique et l'électricité est vraiment important et nous n'en avons pas donc en permanence surtout et vous pouvez avoir cette chambre froide pour les gens qui ont des grandes familles. Vous pouvez aussi acheter cette chambre froide pour commencer à conserver vos produits à la maison. Comme elle fonctionne avec le panneau solaire, ça va vraiment beaucoup vous aider à avoir un très grand frigo. Considérez cela comme un frigo. Donc ici je vous conseille d'acheter les moins de 20 pieds pour enfin conserver vos produits et économiser. Alors, si tu as aimé cette vidéo, nous t'invitons de partager cette vidéo massivement et aussi d'aimer cette vidéo. Laisse-nous des commentaires. Nous avons plus de 800, de 950 vidéos qui parlent de business ancien en Afrique. Nous demandons de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions chaque lundi, mercredi et vendredi. Ici, nous parlons des business, de l'entrepreneuriat et des activités qui vont vous amener des bénéfices à lancer, surtout en Afrique, pas seulement en Afrique, mais partout ailleurs dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent qui sont de Caraïbes et des îles. Alors, j'allais dire ceci, 65% de personnes qui suivent notre chaîne ne sont pas encore abonnées et YouTube notifie qu'il y a plusieurs personnes qui suivent nos vidéos, qui s'intéressent à nos vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. Alors, si c'est toi, je te demande de t'abonner maintenant. Merci et à la prochaine.